Linda Giger, d'humeur estivale. Enfin, l'été. J'adore cette chanson. Saviez-vous, Mohamed, qu'à partir d'aujourd'hui, là, c'est l'été? Le 20 juin. Oui. Ah. Oui, oui. Ah, à oui, nous, les coups de soleil, à nous, les bains de mer et les tenues légères. Contrairement à ce qu'on pense, l'été, ben, ça tombe pas tout le temps un 21 juin. Cette année, il arrive l'été le 20, un jour plus tôt que d'habitude. Parfois, il tombe le 22, parfois le 19. Tout ça pour des raisons astronomiques que je laisserai aux experts, mais des raisons qui sont liées à la révolution de la Terre autour du Soleil. En fait, l'été commence précisément ce soir, 22h51, selon l'Observatoire de Paris. C'est donc le jour le plus long de l'année, aujourd'hui, dans l'hémisphère nord. À Paris, on devrait voir la lumière du jour pendant 16 heures environ. On n'est pas couché. On est cigales. Ah. Vous entendez? Ouais, j'adore. Le chant des cigales annonce de la chaleur pour les jours qui viennent. On appelle ça le chant nuptial. Les cigales mâles chantent pour attirer les femelles. L'été, c'est aussi le temps de la reproduction. Connaissez-vous, Mohamed, l'origine du mot été? Ah, non. Alors, été vient du latin aestatem, qui veut dire le temps de la chaleur. L'été, c'est la saison la plus chaude de l'année. En français, le mot été a souvent changé d'orthographe. Sous le règne de Philippe Ier, dans les années 1100 environ, on l'écrivait ested, E-S-T-E-D. Puis les années passent, ested devient esté, avec un T final, qui disparaît plus tard. Ça va donner S-T-E, accent aigu. On n'est pas loin de la graphie actuelle, été. Si je vous parle de l'été de la vie, Mohamed, vous voyez de quoi je parle? L'été de la vie. Oui. L'été de la vie au sens figuré, c'est une expression qui date du 18e siècle. On l'utilisait pour évoquer l'âge de la maturité, l'âge qui survient après la jeunesse. Être dans son été, c'était être dans l'âge adulte, dans la force de l'âge. On emploie encore aujourd'hui l'expression familière « se mettre en été ». Ça signifie quitter ses habillements d'hiver et se vêtir légèrement, mettre ses vêtements d'été, quoi. Les Canadiens parlent, eux, de l'été indien, qui est une période automnale pendant laquelle il y a encore des journées chaudes alors qu'on a connu des gels. Et puis l'été, ben, a beaucoup inspiré les artistes. On entendait les Négresses Vertes au début de cette chronique. Le virtuose italien Vivaldi, lui, nous a laissé l'estate et l'été, concerto numéro 2 des 4 saisons. C'est l'une des œuvres majeures de l'histoire de la musique classique occidentale. Je vous souhaite un très très bel été. À jeudi prochain. Merci Nina, on va à la plage.